Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un super tour de magie expliqué. Vraiment, vous allez adorer, il est vraiment exceptionnel. Pas très compliqué à réaliser, mais pourtant c'est vraiment clean, c'est propre. Pour moi, ça fait partie des meilleures versions d'effets de sandwich avec des jokers. Vous allez voir, petite pépite. Comme d'hab la démo, et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous conseille d'aller vite vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos afin de ne rien manquer. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo de ce tour avec un jeu de cartes de 52 cartes différentes. Alors bien entendu, très important, le jeu peut être emprunté et même mélangé juste avant par le spectateur. Au moins, on est sûr qu'il n'y a aucune préparation à l'avance du jeu. La seule préparation, elle est ici, c'est que j'ai sorti d'un autre jeu de cartes de Joker à deux rouges, vraiment, qu'on peut aussi donner à examiner au spectateur sans problème. Et petite question, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en général, les magiciens se servent des Jokers pour retrouver des cartes. Ah oui, oui, vraiment, hein, je vous montre. En fait, on va faire pareil, mais différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de faire choisir la carte face en bas et que le spectateur pourrait être forcé sur le choix d'une carte, nous on le fait face en l'air. Au moins, le spectateur voit les cartes et il me dit voilà, je veux celle-ci. Donc je vais le faire pour lui, peu importe. Imaginons, allez, on va prendre celle, le roi. Le roi très joli, roi de pique. Imaginons que le spectateur choisisse le roi de pique, il aurait pu prendre la carte de son choix, il n'y a pas de problème, et on peut même faire signer la carte. Et derrière, comme d'habitude, on va perdre un petit peu la carte, comme ceci, voilà, nettement, dans le paquet. Et en fait, pour retrouver la carte, on va utiliser nos fameux jokers. Alors, je vous montre comment. Regarde, c'est très simple. On prend un petit paquet qu'on étale sur la table et on place un premier joker, n'importe où, peu importe. On fait un deuxième petit paquet, on met un deuxième joker et le reste des cartes par-dessus, comme ceci, et on égalise le tout. Alors vraiment, c'est net. Je vous montre, les cartes sont... C'est le spectateur qui pourrait même enfoncer et aligner tout vraiment très proprement. Voilà, vraiment c'est net, propre, les jokers à deux endroits différents, peu importe les endroits, on ne sait pas. On laisse un petit peu agir, on claque des doigts, et si maintenant on regarde, on peut s'apercevoir que les jokers se sont déplacés dans le jeu, vraiment, on les voit juste ici, et elles ont pris, les deux cartes ont pris en sandwich une carte. Alors bien sûr, on peut tout montrer, hein, qu'il n'y a pas un autre joker ou quoi que ce soit, vraiment c'est bien net, rien à voir, et ça serait fort qu'entre les deux jokers se trouve la carte choisie, le roi de pique, qui aurait pu être signé par le spectateur. C'est automatique, ça marche tout seul, franchement, chapeau ces jokers. Hein. Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura donné envie de savoir comment fonctionne ce tour. Vraiment une petite pépite pour moi. Plutôt facile à faire, franchement, rien de compliqué. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Pour les questions, vous avez les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et maintenant TikTok. Et comme d'habitude, l'école de magie, magistreaming.fr, la seule école de magie gratuite en ligne. Pour apprendre la magie des cartes, la magie des pièces, en passant par des tours, des techniques. Bref, tout est sur l'école, la plateforme de VOD. Et pour ceux qui voudraient soutenir mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez souscrire à Tuto Magie Premium directement sur YouTube pour avoir accès à du contenu exclusif comme les vidéos exclusives du lundi comme celle-ci, les concours tous les 15 du mois réservés aux membres, des emojis, des posts exclusifs. Bref, tout est expliqué dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a toujours des petites infos à prendre. En tout cas, moi je vous dis un grand merci d'être fidèle chaque semaine, de voir toutes mes vidéos, de les liker, de les regarder, de les commenter, ça fait grave plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.